Coucou, c'est Valentina. On se retrouve ce soir dans le Gu Live. Je vous fais de gros bisous. On la connaît très très bien dans le Gu Live. C'est un petit peu une amie de la famille. C'est carrément une amie du Gu Live. Elle a remporté l'Eurovision Junior. Ah, ça, c'est l'indice sympa. Il s'agit de... Valentina. Ah oui, elle est là. Elle est connectée depuis la maison, c'est la première fois. Ça va, Valène? Ça va et toi? Ah bah super, je suis trop content que tu sois avec nous aujourd'hui et que t'essayes de devenir championne. Et d'ailleurs, à chaque fois que tu viens sur le plateau du Gu Live, Valentina, on a toujours une petite surprise pour toi. C'est vrai? C'est vrai. Et bah aujourd'hui, on t'a réservé le Askip Challenge. Alors Askip Challenge, c'est pas compliqué, on te dit des vérités, enfin des choses que nous on pense vraies, et tu nous dis si c'est vrai ou pas. Allez, on démarre. Askip, tu as tourné un clip il y a pas longtemps. Oui, j'ai tourné un clip il y a pas longtemps et c'était vraiment trop trop bien. Et j'ai trop hâte qu'il sorte, il va sortir dans pas longtemps normalement. Et Askip, tu skis en mode complètement débutante, c'est vrai ou pas? C'est vrai, j'ai skié pour la première fois pendant ma deuxième semaine de vacances, donc faut pas m'en vouloir aussi, c'était la première fois. Askip, tu es toujours du genre à vouloir gagner. C'est vrai. On va pas se mentir. Alors ça, c'est une information que ta maman nous a dit. Hein. Donc ça, on ne le savait pas. Et on va découvrir ce fighting spirit tout à l'heure avec le défi du champion. On est avec toi. Hein, parce qu'on sait en plus que tu joues pour une association. Donc, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, hop là. Oh, Valentina. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Et ça te fait quoi d'être notre challengeuse, celle qui veut absolument devenir championne? C'est trop cool, je suis trop contente d'être là. En plus, je suis très compétitrice, moi. Ah, ça m'étonne pas. En fait, ça m'étonne pas. Et puis, elle compétitionne pas que pour elle. Ah oui? Elle compétitionne aussi pour une association. Ah ouais? L'association, c'est Au Pays de Léonie. D'accord, qui œuvre pour les enfants malades. Très très belle association. Donc, si tu gagnes, les cadeaux, tu les offriras à l'association, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, alors avant de commencer le jeu, on a reçu plein de messages. Oui. On va pas te mentir, mais une ribambelle. On en a choisi quelques-uns, c'est parti. Coucou Valentina, tu es toujours en contact avec les autres Kungs, Kids United Nouvelle Génération, Amine? Oui, bien sûr, j'ai revu Iliana et Dylan il y a pas longtemps. Ils sont venus à l'Eurovision Junior. J'étais dans la loge en train de me préparer et je vois deux personnes arriver. Et là, sur le moment, je me dis, c'est pas possible. Et je vois Iliana et Dylan qui rentrent, j'étais trop contente. Trop bien. Ah, c'est des vrais copains, ça fait plaisir. Pourquoi tu m'as jamais fait cette surprise, Gwendal, toi? Comme ça, arrivé comme on, ça. On attend que tu sois à l'Eurovision. Bon, voilà, d'accord, ok, ça, bah c'est pas de mal à veille, les amis, je vous le dis. Hein. Salut Valen, dis-nous quelle est ta matière préférée à l'école, signée Zoé. Ma matière préférée à l'école, c'est l'histoire géo. J'adore cette année. Ma professeure est vraiment géniale, hyper drôle et c'est trop intéressant. Oh. Mais c'est vrai que ça aide quand on a un bon prof. Ouais, ça joue énormément. Ouais. Et Alicia qui nous demande un mot pour tes fans, la team Valen. Hashtag. Bah, merci pour tout. Vraiment, c'est grâce à vous. Tout ce que j'ai pu faire, c'est grâce à tous les gens qui me suivent. Et merci beaucoup, beaucoup. C'est beau. Célia, je sais que tu adores Valen. Est-ce que tu as un message à lui passer avant qu'elle ne commence ce Quizy Foufou? Eh ben, je lui souhaite bonne chance. C'est très poli, mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. Hein. On parle à Valen. C'est pas très honnête. Ouais, c'est poli, non. Mais pas très sincère. Regardez ce regard de la gagne. Mmh. Vous avez vu ou pas? On dirait une louve. Elle est comme ça. Maintenant, je rigole plus. Cette compétition va être incroyable. Valen qui s'attaque au Quizy Foufou. L'idée est très simple. Hein. Il va falloir que tu ailles au bout d'un quiz de 4 questions. Pour passer d'une question à une autre, qui se trouve dans 4 zones différentes, il faut donner une bonne réponse, tu n'as pas le choix. Le record à battre est de 44 secondes. Comment tu te sens? J'ai trop hâte, j'adore les jeux comme ça. Oh, alors attention, c'est Emma qui va partir sur la première zone. 44 secondes à battre. 3, 2, 1, top chrono, c'est parti. Vas-y Emma. Okay. Au niveau alors, de notre caribou. Première zone, quand il crie, le cochon grogne ou râle? Grogne. C'est une bonne réponse. Allez, bonne réponse. Gwenda, qui doit aller à la deuxième zone? Titon se dépêche, on se dépêche. Deuxième zone, hop là, au niveau du trombone. Alors, Valentina, dans Bienvenue chez les Casagrandes, la femme de Carlos s'appelle Frida ou Carlotta? Carlotta. C'est une mauvaise réponse. C'est un synonyme de fortuné, pauvre ou riche? Fortuné, riche. Oui, bonne réponse. Allez, Emma, sur la troisième zone, qui doit partir extrêmement vite. Troisième zone. On nous tourne. Une châtaigne est protégée par une coque ou une bogue? La deuxième réponse. La bonne réponse. Allez, Gwenda qui doit partir dans la piscine à balle après dans le plongeon. Oh, oui. Alors, dans Ninja Express, qui peut regarder à travers l'espace et le temps? Kompeki ou Kiro? Je sais pas. Vite, une réponse, l'un ou l'autre. Ok, la première réponse. Ok, Kompeki, c'est une bonne réponse. Oh, oui, arrêt du chronomètre pour Valen. Oh là là, Valen, c'est allé vite, hein, ça a fusé. Tu avais deux animateurs, Gwenda et Emma, qui ont donné le maximum. Valen, comment tu te sens? Ça va. Je rappelle à toute la France que le record à battre est de 44 secondes. Et Valentina, tu as mis
61 secondes. Malheureusement, Valène, tu es tombée sur celle qui est Record Woman International du Gulive. Notre championne. Notre championne, et 44 secondes, c'est dur à battre. Est-ce que tu as un mot à dire, Valène, à tous les Gulivers qui te regardent? Et ils sont très nombreux. Je suis très contente d'avoir participé et j'espère revenir vite. Et bravo à la gagnante. Oh, bravo. Merci. Écoute Valène, en tous les cas bien joué. Le fait que tu aies participé et que tu sois la challengeuse fait gagner automatiquement à l'association que tu soutiens au pays de Léonie les cadeaux surprises. Une très très belle association d'ailleurs. Salut Valène. Bisous. Bisous. Et